Amis des oscilloscopes, bonjour. J'ai commencé cette petite série sur les oscillos et j'avais vu que ma vidéo avait pas mal de succès. Et comme c'est un vaste sujet qu'on ne peut pas traiter en une seule vidéo, j'avais dit que j'en ferais d'autres pour explorer différentes possibilités. Et dans les choses qui sont très très importantes au niveau des oscilloscopes, il y a ce qu'on appelle la synchronisation. C'est quelque chose qui est fondamental dans l'oscilloscopie. La synchronisation, c'est un petit peu la clé de tout. On va voir que c'est ça qui définit qu'est-ce qu'on veut exactement regarder sur un signal. Pourquoi sur les oscilloscopes? On va voir, il y a pas mal de réglages qui tournent autour de cette synchronisation, de ce qu'on appelle ici en anglais le trigger. Et c'est quelque chose de très important qu'on va retrouver aussi sur les oscilloscopes numériques, sachant qu'on verra que sur les oscilloscopes numériques, ils ont des possibilités mille fois plus riches que ce qu'il y a sur les oscilloscopes analogiques, ce qui permet des fois de faire des mesures qui sont vraiment très très intéressantes et qu'on ne pouvait pas faire avec les oscilloscopes justement analogiques. Mais pour l'instant, on va rester simple et je vais continuer à vous présenter les bases de la synchronisation sur mon petit oscillo Ameil. Ce que fait un oscilloscope, je rappelle, c'est qu'il va montrer l'évolution de l'amplitude d'un signal en fonction du temps. Donc voilà, ici on a donc en horizontal l'amplitude et ici le temps. Donc voilà, ici typiquement un signal sinusoïdal. On peut voir l'oscilloscope comme une sorte de fenêtre à un moment donné où il va dire voilà, toc, à un moment donné je fais un balayage et sur ce balayage là, je démarre ici et je montre tout ce qui se passe pendant ce temps là. Le balayage, en fait, c'est ça, c'est qu'il a, il va avancer ici, le long de l'écran, et donc on va voir ici toute la variation du signal, parce qu'on sait qu'il avance ici pendant un certain temps. Si on est par exemple à 1 milliseconde par carreau, il y a 10 carreaux, c'est-à-dire que le balayage ici va durer 10 millisecondes, et on va voir ici. Le problème, c'est que si à un moment donné, comme ça, c'est comme si je prenais une sorte de photo, toc, ici, je démarre là. Le coup d'après, pourquoi je démarrerais plus ici qu'autre part? Non, en fait, je dirais, je reprends une autre photo. Donc, toc, je reprends, et il pourrait très bien démarrer ici. Le coup d'après, je reprends, il pourrait très bien démarrer ici. Et ici, et ici, et n'importe quand. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que si je fais ça, eh ben, on s'aperçoit que, dans la mesure où je démarre n'importe quand ici pour prendre ma photo, eh ben, mon image, elle n'est pas du tout stable. On le voit ici de façon horizontale. Ça revient, en fait, à faire ça, quelque part. Et voilà, ici, on voit que cette image, si là, ce que je bouge, c'est le cadre, mais si c'est en fait le signal ici qui bouge, voilà, ça va typiquement nous donner ça. Voilà, ça, c'est typique d'un signal qui n'est pas synchronisé. Alors, voyons ça sur l'oscillo. Et voilà ce que ça donne. Si on va échantillonner un signal, ici, un signal triangulaire n'importe quand, et il n'est pas stable. Alors là, en même temps, on ne voit pas tout à fait la même chose, parce que la vidéo fait aussi un effet stroboscopique. Et dans un cas comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Alors c'est vrai qu'en jouant ici, par exemple, sur le côté variable, ici, de la base de temps, on voit que de temps en temps, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu stable. Voilà, par exemple comme ça, et encore, c'est le truc qui n'est pas très bon. Pourquoi? Parce que là, c'est typiquement ce qu'on appelle un effet stroboscopique, typiquement le truc qui fait qu'on voit les roues des diligences qui tournent à l'envers dans les films, c'est que là, un coup, la fréquence de balayage devient un multiple de la fréquence du signal, et on voit que voilà, ici ça fait ça. Mais en même temps, même là, on voit que c'est pas très stable. Pourquoi? Parce que l'oscillation, elle n'est pas très très stable. Et en même temps, en faisant ça, voilà, là j'arrive à peu près à avoir quelque chose de stable, mais c'est vraiment pas terrible. Enfin voilà, ça montre quoi? Ça montre que c'est donc absolument impossible d'avoir un signal stable en utilisant simplement la relation de temps qu'il y a entre la fréquence de balayage et la fréquence du signal à observer. Alors comment faire? La solution, c'est de se dire, je vais toujours démarrer à un même endroit. Si on dit, je démarre toujours ici à l'intersection du signal avec le 0, toc, là ça va marcher. À chaque fois, j'aurai mon signal. Alors, bien sûr, c'est vrai, c'est mon signal est ici répétitif. C'est à chaque fois que je vais le balayage ici, j'arrête pas d'en faire. Mais c'est pas tellement grave, on va dire. L'idée, c'est de se dire que je vais avoir ici une référence, en fait, par rapport à ça. Si on regarde d'ailleurs le schéma que j'ai fait ici, on voit bien qu'ici, il y a une référence. Il part du principe que ça démarre ici. Je peux démarrer n'importe où dans ma référence, mais là, une fois qu'elle est stable, je vais pouvoir quelque chose de stable et de fixe. Tout l'art de la synchronisation va décider de dire, dans ce signal ici, à partir de quand je démarre mon observation. C'est ça le trigger, c'est ça la synchro. C'est à partir de quand. Et pour le faire, généralement, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, on a soit le signal lui-même, soit on va le voir une information extérieure qui va nous donner
une référence. Mais très souvent, c'est le signal lui-même. Et une des solutions ici va consister justement à analyser le signal et en gros à le comparer. On va le comparer avec une tension continue, par exemple. Ici, là, c'est très souvent le zéro, mais pas forcément. Si je prends ici ma ligne comme référence, si je dis à chaque fois que le signal ici, il traverse la ligne, soit en descendant, soit en montant, bah, c'est ça ma référence, à ce moment-là, c'est bon. Et ça, c'est très facile à faire avec de l'électronique. Il suffit d'avoir un comparateur, et si je compare la tension d'entrée avec cette référence, eh ben ici... voilà, à la sortie d'un comparateur, j'aurai quelque chose qui va ressembler, par exemple, à ça. Et à ce moment-là, bah, c'est très facile de dire, je démarre ici mon balayage à chaque fois que j'ai ici cette transition-là. Et à ce moment-là, bah, ça y est, on est sauvé. Hein. Si je démarre ici, bon, on voit que mon signal, il démarrera toujours à cet endroit-là, et j'aurai quelque chose de stable. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Je vous ai mis ici un exemple où on voit que le niveau justement de déclenchement, je l'ai mis exprès, pas à zéro, je l'ai mis ici. Donc ici, le trait vert, c'est le trigger, c'est le moment où l'oscilloscope va déclencher. Et ce que je vous ai symbolisé ici, la rampe, c'est le balayage. Donc ici, à un moment donné, il déclenche, hop, il y a le déclenchement. Ici, il fait son balayage. Et donc, on examine bien cette portion-là du signal. Après, une fois que le balayage est fini, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est là qu'on va voir qu'il y a différents modes possibles. En mode normal, c'est-à-dire le mode déclenché, le moment où il attend une nouvelle synchronisation, on voit qu'une fois que le balayage est fini, là, il y a un petit temps où le spot il revient à gauche et il attend à nouveau quelque part. S'il y a un nouveau déclenchement, eh ben, il va redémarrer quelque chose. Imaginons que là, il n'y a plus de signal ou pour X raison, il n'y a pas de déclenchement. Alors là, il va arriver une autre chose. C'est-à-dire que si on est en mode déclenché, bah, comme on va le voir, il n'y a plus de signal, bah, il ne déclenche pas. Et puis, bah, il attend qu'il y en ait un, et on ne verra rien sur l'écran. En mode automatique, ce qu'il fait, c'est qu'il attend un petit peu de temps ici, et une fois que ici, il n'y a toujours rien, et bah, il va redémarrer quand même. C'est ça la différence, on va dire, enfin, une des différences entre le mode automatique et le mode déclenché, c'est qu'en mode déclenché, il attend réellement d'avoir un signal de synchro pour démarrer. En mode automatique, si au bout d'un moment, il n'y a rien, bah, il dit, bon, bah, puisque personne ne s'occupe de moi, je vais quand même démarrer. Donc voilà, en gros, c'est deux modes. C'est pour ça que dans le mode automatique, on voit qu'il y a toujours un signal, parce que même s'il n'y a pas de déclenchement, de toute façon, il y aura toujours une trace, quitte à ce qu'elle ne soit pas synchrone. Alors qu'en mode normal, il faut forcément qu'il y ait un déclenchement. Alors on peut noter qu'il y a un autre mode qui est très intéressant, alors qu'on va trouver toujours sur les oscilloscopes numériques, et sur les oscilloscopes analogiques parfois, mais pas toujours, c'est ce qu'on appelle le mode single. Le mode single, ça veut dire une fois qu'il a fait ici un déclenchement, eh ben, c'est fini, il n'en fera plus jamais d'autre, qu'il y ait ou pas de la synchro. Alors, on va dire, sur un analogique, c'est pas tellement intéressant, parce que ça veut dire qu'on n'aurait qu'une seule image, plus rien. C'est pas tellement intelligent, parce que, surtout si ça va vite, on n'aura rien le temps de voir. Ça a quand même une utilité, enfin, ça en avait une, parce que maintenant, c'est quand même moins utilisé, c'est du temps où on faisait des photographies d'oscillogrammes. À ce moment-là, ce qu'on mettait, c'est qu'on mettait un adaptateur sur l'écran, donc une pellicule sensitive, on faisait un déclenchement, et puis justement, on n'en voulait pas d'autre, et c'était ça qui faisait que ça prenait en même temps, c'est là qu'on prenait la photo de l'oscillogramme. Donc ça, c'était une des utilisations du mode single. On le retrouvait aussi sur des analogiques avec des mémoires, hein, avec des ce qu'on appelle des écrans à persistance variable, hein, c'est des écrans qui gardaient l'image de la trace pendant un certain temps. Et à ce moment-là, ben, le mode single, c'était intéressant, ce qui permettait justement de mémoriser à un moment donné quelque chose. On verra quand on ira par contre sur les oscillos numériques, que là pour le coup, c'est vachement intéressant, parce que justement on déclenche, on mémorise un signal, et c'est fini, on n'en veut pas d'autre. C'est un petit peu comme si on avait pris une photo instantanée du signal. Enfin voilà, c'est pour ça que sur les oscilloscopes, on va dire, comme le AMEG, là, on ne voit pas ce mode single, parce que bon, je veux dire, c'est pas tellement utile. Juste un petit mot encore pour finir. Pareil, hein, je vous conseille de regarder la fameuse vidéo sur le fameux hold-off. Mais le hold-off, quelque part, il permet de régler ce temps ici et de le rendre justement très grand. Il permet d'attendre après un balayage d'avoir démarré un nouveau cycle, ce qui permet des fois d'avoir des images plus stables. Alors ici, on va avoir le mode de synchronisation, donc on appelle ici automatique. Qui en plus, alors selon les modèles, est plus ou moins automatique. Sur le AMEG que je vous présente ici, il est d'autant plus automatique qu'il ne se contente pas, comme je l'ai dit, quand il a terminé le balayage, d'attendre une synchro
Et pour redémarrer, il redémarre toujours, mais en même temps, il fixe automatiquement, on va dire, le niveau de synchronisation à peu près au niveau du passage par zéro. Ce qui fait que les réglages ici sont complètement inopérants et on peut quasiment, je veux dire, faire ce qu'on veut et c'est toujours à peu près synchronisé. On va dire ça, c'est bien pour certains signaux, mais on va voir que dans certains cas, bah, c'est pas suffisant. Alors, quand on veut changer ça, la première chose qu'on va faire, on va passer ici en mode normal. En mode normal, on voit ici qu'on va pouvoir régler le niveau. Et en fait, le niveau, c'est quoi? Et on le voit ici très bien sur le bord. Eh bien, c'est à partir de quand le signal ici va démarrer le déclenchement. Si on voit que là, je le règle à un niveau qui est en dehors du niveau du signal, ben, j'ai plus de signal du tout. D'ailleurs, on voit que le petite LED ici, trig, qui dit qu'il est déclenché, n'est pas allumé. Si je baisse le niveau, voilà. Là, on peut voir que le niveau de déclenchement, alors sur certains scopes, hein, il est visible. Certains analogiques parfois, mais surtout sur les scopes numériques, on peut le voir justement ce niveau de déclenchement. Mais ici, ben, on imagine bien qu'il est ici. Hein, on voit bien, c'est le début. Et le fait de le baisser, on voit bien qu'ici, il démarre le balayage quand le signal arrive au niveau du déclenchement. Donc ici, en changeant le niveau ici de déclenchement, et bien voilà, on voit bien que je le décale et de façon un petit peu différente. Alors, c'est pour ça que j'ai mis aussi ici un signal triangulaire, parce que ça permet bien de le voir. Si on balaye ici, ben on va avoir quelque chose encore plus, parce que je vais pouvoir varier sur toute la pente, voilà, ici, du signal. Là, on voit très bien ici le niveau de déclenchement qui fait démarrer ça. Donc voilà pour le mode. Donc là, on voit que grâce à ça, en mode normal, le niveau ici de déclenchement, c'est lui qui va permettre de voir cela. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on appelle aussi le slope, c'est la pente. Ici, quand c'est plus, ça veut dire qu'il démarre le déclenchement quand le signal, on va dire, dépasse le niveau ici de déclenchement. C'est-à-dire, il va vers le haut. Si on met ici moins, on voit que c'est le contraire. Il déclenche quand il va vers le bas. Alors ça, c'est intéressant. C'est surtout intéressant quand on veut regarder des impulsions. Si par exemple ici on se met avec un signal carré, et qu'on veut regarder plutôt le début d'une impulsion, grâce à ça, voilà, on peut soit regarder le début, soit regarder la fin. Donc ça, c'est aussi un réglage ici qui est plutôt intéressant. Alors ensuite, généralement, on va voir ce qu'on appelle la source du déclenchement. La source du déclenchement, ça veut dire où est-ce qu'il va prendre le signal. Généralement, il va le prendre sur une des traces ici qu'on voit. Donc pour l'instant, je me limite à une seule trace, donc on va dire que c'est le signal. Mais on voit ici qu'il y a une entrée, ici, qui permet de s'appeler EXT, qui va permettre ici de mettre un signal, hein, qui peut être important, jusqu'à 100 volts crête maximum, et un signal externe. Alors ça, c'est très intéressant, et c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. On va dire qu'il y a plein de générateurs, hein, des GNBF, des choses comme ça, ou des même de, enfin, des différentes sources de signaux qui sont capables de fournir un signal de synchronisation qui, lui, est typiquement synchrone avec le signal généré, mais a l'avantage d'être complètement indépendant au niveau de son amplitude de la sortie. Et ça, c'est très intéressant, surtout qu'on suit un signal, par exemple, dans un ampli, un truc comme ça. Bah, au lieu de toujours, à chaque fois qu'on va mettre la sonde, aller rechercher, re-régler la synchro, bah, là, on est synchronisé de façon, on va dire, externe. Honnêtement, on l'utilise à mon avis pas assez souvent. À chaque fois que c'est possible, et que ça fait dire que la mesure qu'on y fait s'y prête, je vous conseille vraiment d'utiliser la synchro extérieure. C'est sans doute ce qui donne le plus grand confort de mesure. Alors ensuite, ça donc c'est la source. On va avoir ici différents réglages qu'on va retrouver quasiment sur tous les scopes. Alors déjà, il y a le couplage, alternatif ou continu. Généralement, je veux dire, le couplage alternatif est pas mal. C'est-à-dire, en gros, c'est le niveau qu'on voit ici, il se base sur la variation du signal. Alors, il arrive quand même que des fois, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais avec des signaux qui ont des duty cycles qui sont très variables, ou des déclenchements sur des basses fréquences, des choses comme ça. Enfin, des fois, on a mieux en mettant sur DC, mais généralement, assez, enfin, je veux dire, pour la majorité des systèmes, ça, c'est mieux. Et justement, ça permet d'éliminer la notion de composante continue qu'il y a. Et généralement, ce qu'on veut regarder, c'est plutôt une variation alternative. Donc ici, je veux dire, on peut jouer ici sur AC-DC. Alors, HF, LF, alors là, il faut se méfier, parce que selon les scopes, c'est pas mis pareil. Des fois, c'est marqué REG, HF Rejection ou LF Rejection, et ça veut dire que là, HF Rejection, c'est-à-dire ça réjecte la HF, ça veut dire qu'on veut la BF. Ici, c'est le contraire.
Ici, HF, ça veut dire qu'on favorise la HF ou la LF. Alors, pour vous montrer à quoi ça sert, on va faire une petite manip. À mon signal triangulaire ici, je vais venir mélanger un signal HF. Voilà. Et le simple fait de faire ça, on voit que là, mon truc, il est désynchronisé. Et pourquoi il est désynchronisé? Parce que ça va être très dur de le synchroniser, parce qu'il ne sait plus trop sur quel signal se prendre. Les deux signaux que je mets, ils sont complètement indépendants. Ils viennent de deux générateurs différents. Ils sont pas du tout, ils n'ont aucune relation de phase. Et ici, ça va être très difficile. Donc grâce à ce filtre ici, ça va permettre de les différencier. Si ici, je me mets sur HF, voilà, et là, je me balaye vite, on voit que je suis bien synchronisé ici. Si j'augmente la luminosité sur la partie HF de mon signal. Alors bien sûr, elle est un petit peu modulée comme ça, ce qui est logique, hein, parce qu'elle est modulée un petit peu par le signal triangulaire, mais enfin on voit que là, c'est quelque chose de stable. De la même façon, maintenant, si je veux regarder plutôt le signal BF, voilà, et là, on voit qu'il est stable. C'est-à-dire ici, là, je vais mettre HF parce que je voudrais voir le signal HF, mais en BF, je ne suis pas stable. Et ici, BF, pour voir ça. Alors bien sûr, l'idée, là, j'ai fait ce montage là, enfin ce petit pidouille, c'est vraiment pour montrer ça, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée de base, souvent, c'est qu'il peut y avoir du bruit dans un signal. Hein, souvent, quand on regarde des signaux basse fréquence, si jamais il y a des parasites HF, eh bien généralement, on se mettra plutôt sur LF ou HF. Bon, de façon, on va dire, un peu empirique, quand on a du mal à synchroniser, bon, on essaye un petit peu les différentes positions. Dernière chose, ici, le petit signe alternatif, alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, qui s'appelle des fois aussi main ou line, hein, ça dépend un petit peu. Ça veut dire que la source ici de synchronisation, c'est le secteur. Alors ici, là, mon signal, il est complètement pas référencé par rapport au secteur, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais ça, c'est intéressant quand on va vouloir faire des mesures, par exemple sur des ponts dresseurs, sortie d'un transfo, de rayonnement de transfo, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on va se mettre ici sur cette source-là. Ça revient à utiliser l'entrée ext, on va dire branché sur un transformateur qui serait sur le secteur. Donc ici, on ne l'utilise bien sûr que quand on fait des mesures par rapport au secteur. Voyons maintenant ici, ce qui concerne toujours la synchro, la position ici TV-CEP. Alors ça, c'est vraiment typique pour regarder des signaux de type vidéo, des signaux qu'on appelle composites, c'est-à-dire que dans le même signal, on va avoir plusieurs informations, les synchronisations, l'image et éventuellement même d'autres infos. Alors bon, j'ai pas réellement de source de signal vidéo, j'en ai une, mais c'est, on va voir que c'est pas terrible, enfin ça va permettre quand même de voir. Pour regarder rapidement ça, je vais utiliser ça, c'est une petite caméra couleur que j'ai, qui permet de filmer dans des endroits un petit peu inaccessibles. Et on va brancher ça ici sur l'entrée. Pour info, cette caméra, elle a un truc qui est rigolo, c'est qu'elle s'allume quand on la branche sur une source. C'est-à-dire le fait de brancher la sortie sur une source à basse impédance qui la met en route. Il n'y a pas d'interrupteur marche arrière. Voilà, ici, nous sommes en présence d'un signal vidéo. Un signal vidéo comme ça, c'est un signal, alors c'est pas le but de la vidéo d'en parler, mais c'est pas très facile à voir. Dans un signal vidéo, il y a deux parties qui sont très intéressantes, on va dire, il y a chaque image, hein, ce qu'on appelle les frames, qui correspondent en fait c'est des demi-images, hein, mais je veux dire, qui sont ça, et après chaque image est faite d'un certain nombre de lignes qui démarrent. Ici, en fait, V ici, ça va permettre de synchroniser plutôt pour voir les images. Ici, là, je l'ai réglé de façon, hein, en mettant V, hein, V, donc c'est pour vertical, c'est-à-dire en gros, c'est chaque image, et on les voit ici. Hein, ici, on a le début de chaque frame, avec ici les signaux. Alors, c'est quoi? Toutes les petites lignes qu'on voit en bas, c'est les synchronisations de chaque ligne, et ce qu'il y a au-dessus, là, c'est la partie vidéo. D'ailleurs, on voit que si l'image change, là, vous voyez, je fais marcher la caméra, ça change complètement. Ici l'image. Alors en même temps, là c'est un petit peu space parce que comme c'est une caméra couleur, il y a toute la supporteuse avec la chroma et tout. Bon, enfin, le but ici c'est pas de parler d'un signal vidéo, mais c'est de montrer que grâce à ça, on peut quand même regarder un signal vidéo. On voit même ici quelque chose d'assez intéressant. C'est le début de chaque trame. En fait, il y a tout un système avec des impulsions, d'égalisation et des choses comme ça. Et ici, on voit que même en grossissant grâce à cette position, voilà, on voit bien ici. Les différentes impulsions, ce qu'on appelle la pré-égalisation, le signal de frame en début, post-égalisation, et ainsi de suite. Enfin bon,
Je ferai peut-être un jour une vidéo sur les signaux vidéo, justement, mais ici, c'est pas ça. Donc là, par contre, ce qu'on voit, voilà, c'est qu'on arrive à se synchroniser sur l'image. Si maintenant je regardais chaque ligne, alors les lignes, c'est bien plus rapide. Ici, là, je me suis synchronisé sur une ligne. Alors, j'utilise pas ici la position ligne, en fait. On y arrive plus avec la synchro normale. Alors, déjà, faut comprendre pourquoi, généralement, ce genre de choses, c'est fait pour regarder un signal vidéo qui n'a pas toute la partie HF, ici, couleur, c'est un signal vidéo composite, mais je veux dire que de la vidéo. Donc ici, il a un petit peu de mal à s'y retrouver. Enfin bon, c'est pas grave. Je veux dire, sur un signal vidéo, c'est-à-dire qu'on oubliait toute la HF qu'il y a ici, eh ben, on aurait bien, on verrait exactement ça. Et là, on voit bien ce début. À chaque impulsion ici, c'est le début d'une ligne. Bon, puis après, là, le burst, là, c'est pour la toute la partie ici qu'on voit HF, c'est pour la couleur. On voit ici les différentes possibilités de tous les réglages de synchronisation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Ah oui, j'ai pas parlé ici du bouton Alt. Eh bien, c'est normal, Maurice, que j'en parle pas, parce que ça fera l'objet de la prochaine vidéo où on parlera justement du système de traces et on verra en quoi ce bouton Alt ici joue pour la synchronisation. Voilà pour cette vidéo sur la synchronisation, qui, comme on l'a vu, est vraiment quelque chose de fondamental. La prochaine vidéo sur les oscilloscopes traitera justement sur les analogies des multitraces. Et on parlera justement de ces histoires de alterner, choper. Et on parlera des nombreuses possibilités offertes par le fait d'avoir plus d'une trace sur un oscilloscope. D'ici là, que Trigousse, le roi des déclencheurs, vous fasse des déclenchements canons et des beaux signaux observés. Et à bientôt sur ma chaîne.